8h34, François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Répondre à la crise démocratique chez Fayard Terranova. C'est euh, un petit livre sur la démocratie. Vous défendez la démocratie. Vous avez votre regard sur la démocratie. Que faut-il faire pour qu'elle vive, même qu'elle survive Parce mmh. ah, qu'elle est en danger. Oui, elle est menacée. Menacée, elle est menacée. menacée par l'extérieur. Il y a oui. des puissances non démocratiques qui poussent, qui avancent, hein, qui. Euh, essaye de conquérir, euh, à défaut de territoire euh, des esprits. Bon, on a vu ce qui s'est passé au Moyen-Orient, la Russie, on voit ce qui se passe sur le plan économique, la Chine. Et puis, à l'intérieur même de nos démocraties, il y a des euh, tentations ou de recours à la violence ou euh, d'empêchement de certains projets, où on voit bien aussi qu'il y a une crise des grandes formations politiques, il y a une défiance à l'égard des élus, on voit ce qui s'est produit aussi avec les gilets jaunes. Donc, tout ça mérite d'être regardé en face et d'apporter des réponses. Alors, la crise sociale, nous allons en parler. La crise de la démocratie aussi. Mais je voudrais revenir. Nous sommes revenir à un souvenir terrible pour vous. Nous sommes le 13 novembre 2015. Il est 23h55. Vous décrétez l'état d'urgence. Que se passe-t-il Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur. Ce sont les mots que vous employez ce soir-là. Les attaques ont commencé peu après 21h aux abords du Stade de France. Vous étiez au Stade de France pour le match France-Allemagne, se poursuivant sur les terrasses de plusieurs bars et cafés dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, mais aussi à l'intérieur du Bataclan. On connaît le bilan dramatique. 131 morts, 350 blessés. Vous étiez donc au Stade de France ce soir-là et vous donnez la consigne de ne pas bouger. Oui, je suis prévenu. Euh... Peu de temps après le début du match, vous oui. vous souvenez, une détonation, on ne sait pas oui. exactement de quoi il s'agit, est-ce que oui. c'est un pétard, une bombe agricole, et puis une deuxième explosion, là je commence à avoir plus qu'un doute, presque une certitude. La policière qui est chargée de la sécurité euh, m'informe qu'il y a déjà un mort, donc euh, je dois prendre une décision. Si je quitte le stade précipitamment... Le doute peut s'installer, mais parmi l'ensemble des spectateurs et un mouvement de panique peut se produire. J'attends donc quelques minutes. Et puis, lorsque je pense que le match est bien lancé, il y a déjà eu un but et donc je sens que les spectateurs sont dans la partie, je m'éclipse et je monte dans le lieu où nous avons toutes les informations en haut du Stade de France. Et c'est à ce moment-là que je reçois un coup de téléphone de Manuel Valls premier ministre qui me dit ça explose aussi en tout cas il y a des tirs sur des terrasses dans le 11e arrondissement j'ai après d'autres où il se trouvaient où ils se trouvaient puisqu'il y, oui, y vivait euh, j'ai d'autres informations plus précises de Bernard Cazeneuve qui me dit qu'il y a déjà des morts et j'ai la confirmation qu'il y a un mort en plus du terroriste euh, au stade de France je fais donc venir euh, Bernard Cazeneuve au stade je reprends après l'habitant euh, ma place parce que là aussi, je ne veux pas qu'il y ait de panique. Euh, J'ai conscience que les réseaux sociaux commencent à fonctionner et euh, que le risque, pour moi, sans bien comprendre quelle était l'intention du terroriste qui a fait exploser sa bombe à l'extérieur du stade, je comprends que ce qu'il a peut-être voulu faire, c'est créer euh, une peur générale et on sait ce qui peut se produire dans un stade. Et c'est à ce moment-là que je reviens au ministère de l'Intérieur avec Bernard Cazeneuve et que je décide de, de recourir à l'état d'urgence. À l'état d'urgence. Ce fut la nuit, j'imagine, la plus courte et la plus affreuse de votre présidence. Mmh. Euh, il n'y a pas eu de, de, de nuit, si je puis ouais, dire. Euh, ouais. Il y a eu une continuité, euh, puisque ouais. nous ne savions pas, même quand euh, ouais. nous avons eu terminé avec l'opération Bataclan. Je salue quand même euh, aussi le courage hein, des policiers qui sont intervenus. Et je mesure ce que les victimes euh, qui ont pu assister, hélas, à ce drame peuvent ressentir au moment où je m'exprime, là, le 13 novembre. Ces images qui sont restées dans la tête. J'ai bien sûr conscience qu'il y a aussi des familles qui sont encore dans le deuil et puis des blessés, blessés physiques, blessés psychologiques. Et donc, dans cette nuit-là, je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que l'on est sûr qu'on en a fini avec la neutralisation des deux terroristes au Bataclan Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont encore sur place ou ailleurs et donc, euh, il y avait la... une cible dans le 18e arrondissement, c'est vrai ou faux cela Il y avait un terroriste qui était dans le 18e après. Oui. Savoir ce qu'il oui. avait oui. comme possibilité d'action, il oui. ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une partie de l'équipe qui était restée mmh. en France. La preuve, c'est qu'il oui. y a eu après une oui. action qui a été engagée à samedi. Et puis, euh, c'est ce que j'ai dit aux Français ce, cette nuit-là, parce que c'était la question. À quel moment s'exprimer S'exprimer euh, au moment où, où il y a encore euh, des tirs, s'exprimer au moment où il y a encore des otages qui sont pris au Bataclan, s'exprimer le matin alors que les Français veulent avoir une information. Donc je me suis exprimé à minuit. C'est euh, euh, peu commun. Je me suis exprimé euh, sans avoir euh, de discours préparé. Je me suis exprimé, vous avez repris mes mots. C'est mmh. une horreur. Parce que je, je, je le ressentais. Et, et, et donc, je me suis exprimé pour donner des informations, pour exprimer ma compassion et montrer qu'il y avait à la fois euh, une solidarité qu'on devait immédiatement exprimer, une unité qui était indispensable et une fermeté qui était attendue. Un procès aura lieu dans un peu plus d'un an. Onze djihadistes français détenus en Turquie vont être rapatriés, mmh. essentiellement des femmes. Il y a un accord, un protocole entre oui. la Turquie et, et, et la France. Mais aujourd'hui, est-ce que la décision turque de renvoyer dans leur pays les djihadistes étrangers est la conséquence des critiques européennes sur l'intervention turque en Syrie est-ce que vous le pensez Les critiques, en tout cas, euh, oui. je les partage. Euh, oui. Je pense que c'est un acte très grave qu'a commis mm. euh, la Turquie en, en intervenant en Syrie contre les Kurdes, ceux-là même mm. qui ont été pour nous nos alliés dans la lutte contre Daesh et dans l'éradication de ce groupe euh, terroriste islamiste. Mais je reviens à, à, à cette question euh, mm. qui est tout à fait euh, légitime. Il y a un protocole. Euh, il s'appelle le protocole Cazeneuve parce qu'il était ministre de l'Intérieur, j'étais oui. président de la République. Je revendique ce protocole. Qu'est ce qu'il dit Il dit chaque fois qu'il y a un terroriste qui est euh, pris par les Turcs, soit parce qu'il veut aller euh, ce terroriste ou cette terroriste veut aller sur le lieu de la Syrie ou de l'Irak, soit parce qu'il en revient. Donc nous, ce que nous souhaitions à l'époque, et je souhaite encore, c'est que lorsqu'il y a un terroriste qui est arrêté, qui est une nationalité française, il puisse être donné aux autorités pour être jugé. – Jugé en France. – Tous les terroristes emprisonnés en Irak, en Syrie, en Syrie il n'y en a plus beaucoup, si, dans la zone kurde ou en Turquie, vous faites le distinguo. Alors allez-y, quelle est la distinction que vous Oui. En, en Irak, et oui. même en Syrie, euh, ces terroristes euh, ont commis des actes que mm. les pays doivent juger. En l'occurrence, mm. l'Irak, contre, contre, euh, contre les populations locales, contre les populations locales, contre des soldats hommes, les irakiens. Des soldats, ou... etc. Oui. Donc euh, là, les, les tribunaux irakiens sont saisis et mm. déjà ont eu un certain nombre de verdicts. Lorsque euh, il s'agit de terroristes qui sont pris en Turquie, ils n'ont pas commis d'actes euh, terroristes en Turquie. Mm. Et donc si on ne faisait rien, euh, la Turquie pourrait considérer qu'elle qu n'a pas à les garder. En revanche, ils ont commis euh, un délit, voire même un crime, en France, soit parce qu'ils ont été complices d'attentats, car il est possible que parmi les 11, je n'ai pas d'informations, oui. il est possible qu'il y ait des complices, y compris des attentats du 13 novembre que ce soit des hommes ou des femmes. Deuxièmement, ils n'ont pas commis d'actes en Turquie, mais ils ont commis un acte en France qui est de sortir du territoire pour aller faire un combat terroriste et djihadiste. Donc ils doivent être repris par la France, jugés, condamnés et faire leur peine. Hier, François Hollande, vous deviez donner une conférence sur la crise démocratique dans un amphi euh, de Lille, Fac de droit à Lille. Des étudiants sont entrés, ont déchiré les pages de votre livre, ont jeté à terre, euh, ont renversé les tables. Euh, vous n'avez pas donné cette conférence, vous n'avez pas pu la donner. Ces étudiants ont manifesté leur soutien à cet étudiant qui s'est immolé euh, à Lyon, euh, qui accusait, qui accusait, oui, je le cite, et Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy et l'Union européenne de l'avoir. Tuer en créant des incertitudes sur l'avenir de tous, l'avenir de tous les étudiants. Que dites-vous ce matin Un étudiant qui euh, tente de mettre fin à ses jours, c'est un mmh. drame. Mmh. Il évoque la précarité. Il devait la ressentir pour aller jusqu'à cet acte. Oui, je précise. Instancé. Je précise qu'il se trouvait, il triplait sa deuxième année de licence, je précise, hein, mm. et que sa bourse, parce qu'il triplait cette mm. euh, euh, deuxième année, sa bourse lui a été retirée. Donc il était sans doute dans un état de dépression, mais mm. je, 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 je ne veux pas commenter l'acte lui-même. Oui. Il, il est tellement grave, il est tellement lourd, qu'il est légitime que des étudiants puissent être en solidarité avec euh, ce jeune qui est entre la vie et la mort. Qu'il y ait un mouvement ne m'a pas surpris. C'est le contraire qui eût été étonnant. Et à, à Lille manifestation avait lieu, elle était tout à fait légitime. Ensuite, moi, je devais faire une conférence devant... Euh, il y avait euh, près de 1500 étudiants qui étaient rassemblés là et qui voulaient débattre euh, précisément du sujet de la démocratie. Peut-être d'ailleurs, il y aurait -il eu des questions sur euh, mmh. précisément la précarité, la responsabilité. J'aurais pu euh, aussi donner un, un certain nombre d'informations. Mais là, il euh, y a eu un tout petit groupe. Un mmh. tout petit groupe qui a voulu pénétrer dans le lieu, je n'y étais pas. Mmh. Euh, et qui euh, a Vous saccagé, avez été prévenu, vous n'êtes pas, pas venu, mais qui a saccagé le lieu et qui a déchiré des pages de oui. livres. Euh, vous savez, ça rappelle quand même des images quand on s'en prend aux livres, quand on s'en prend aux auteurs il oui. euh, y a une responsabilité politique, il faut mmh. toujours l'assumer, mais là le livre, le livre, il y a quelque chose de sacré surtout quand il euh, parle de la démocratie. Donc qu'est-ce que j'en tire comme conclusion Il y a des euh, inquiétudes, il y a euh, des mmh. exaspérations, il, il y a des peurs, il faut y répondre. C'est le rôle des pouvoirs publics et j'en prends euh, ma part de responsabilité, euh, même mmh. si pour ce qui concerne euh, les bourses, je les ai augmentées, j'ai mmh. élargi le nombre de bénéficiaires, j'ai créé des logements étudiants. Mais euh, la violence il faut y faire euh, maintenant très attention, car ça devient un mode de recours euh, contre ce qu'est la forme de la démocratie. Notre société est malade, il y a une, une maladie dans cette société. Cette, ce, ce... Je pense que ce qui ne va pas, euh, oui. et je crois qu'il faut le reconnaître, c'est oui. que nos instances de dialogue, de négociation, d'intermédiation, euh, le rôle des syndicats, le rôle des élus, le rôle de ce qu'on appelle les corps intermédiaires a été euh, réduit. Et, et qu'à partir de là, il y a une tentation, et les médias peuvent être aussi un instrument il y a une tentation créer un incident, recourir à la violence pour faire parler de soi, pour faire parler du mouvement, pour faire parler d'une revendication on a vu aussi ce qui s'était passé au cours des gilets jaunes, mouvement qui avait euh, sa, sa profondeur, qui avait aussi sa vérité, mais il y a eu des violences. donc la violence devient une forme d'action. ça a toujours existé. ce n'est pas, pas nouveau dans, dans l'histoire des sociétés. mais quand on c est, est une dans désobéissance mais, assumée, mais quand on est dans une démocratie, parce que oui, euh, c'est ça, est-ce qu'il <laughs> y a des moyens de se faire entendre par la démocratie? oui, pas toujours suffisamment. mais euh, la violence euh, n'a pas de légitimité lorsqu'il y a des procédures. — Est-ce que vous pensez que c'est la crise sociale annoncée, nous verrons, pour le début décembre, le début du mois de décembre, est une crise sérieuse ?— Oui. — Vraiment. Oui, sérieuse. Je vous, êtes que inquiet, que vous êtes inquiet Vous êtes inquiet ?— Je suis inquiet pour, pour oui. mon pays, parce pour que euh, oui, j'ai oui. oui la France oui. et que je Bien ne veux sûr. pas que nous puissions nous, nous diviser, oui. nous séparer. Donc nous savons qu'il y a un mouvement mmh. qui est prévu le 5 décembre. Mmh. Il promet d'être ample, parce qu'il y a ce mmh. nombre d'inquiétudes. Il faut, d'ici le 5 décembre... Ouvrir toutes les discussions, mettre tout sur la table. Est-ce que le gouvernement doit maintenir sa réforme des retraites Est-ce qu'elle est indispensable Doit-il la maintenir telle qu'elle est Moi, telle Tel qu qu'elle, on ne la connaît pas entièrement. Hein. Comme président, j'avais oui. fait une réforme des retraites, oui. euh, considérant oui. qu'il fallait allonger la durée de cotisation en fonction de l'allongement de la vie, mmh. ce qui me paraît un bon principe. Le président Macron et le gouvernement ont pris une autre, mmh. une autre orientation. Ils veulent un système qui unifie tous les régimes et qui crée la, la retraite par points. Mais aujourd'hui, vous avez vous-même relevé le, 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 le point névralgique c'est qu'on ne sait pas. Et mmh. quand on ne sait pas, on s'inquiète. On ne sait pas si ça concernera tous les régimes on ne sait pas si ce seront uniquement les entrants. Le Vous êtes favorable à ça Non. Que la réforme ne soit appliquée qu'aux nouveaux entrants Je pense que quand on a une réforme, comme non. les régimes de répartition qui, qui datent oui. de, de oui. plus de 50, 60 ans, c'est un, un système que nous avons construit. Oui. Nous devons le maintenir, le consolider, l'améliorer, le moderniser, pas le mettre en cause. Voilà ce que je Vous pense. Vous êtes opposé à cette réforme Donc des je retraites Je pense que cette réforme telle qu'elle est aujourd'hui présentée, avec beaucoup d'incertitudes, on pouvait discuter. Je sais que, euh, par exemple, des syndicats sont favorables. La CFDT, notamment au système par points, pourquoi pas, mais ça, ça, ça ne justifiait pas. De pendant deux ans d'avoir créé cette inquiétude. Donc quand il y a une inquiétude et, bien, et que l'on sait qu'il y a un risque de mobilisation, on retire sa réforme, on, on essaye en tout cas de la présenter, d'apaiser et de créer un climat de confiance. Ce qui manque peut-être le plus, c'est... Ça la veut conscience. dire la retirer, quoi Ils l'ont déjà pour partie retirée puisqu'ils disent que ce serait uniquement pour les nouveaux entrants. Ça veut dire qu'on va mettre, je sais pas combien de personnes dans la rue, on va peut-être bloquer les transports pour une réforme qui interviendrait pour ceux qui en seraient, si je puis dire, les bénéficiaires, dans 40 ans Dans 40 ans il n'y a pas de problème plus urgent à régler que de savoir Est ce qu'on qu va faire la dans 40 mobilisation ans. Du 5 décembre. Non, moi, je ne suis pas du tout dans non. cet esprit-là. C'est pas ma oui. place. C'est pas ma responsabilité. J'ai présidé la France. Je ne suis pas là pour essayer de, de stimuler les, les mouvements ou de, de favoriser des conflits. J'en ai connu moi aussi. Mmh. Euh, J'ai eu, eu des, des grèves, mmh. des mouvements, mmh. euh, etc. Donc, je sais ce que c'est que diriger. Euh, je considère que ce sont les syndicats qu'il faut vraiment entendre. Ils n'ont pas forcément tous la Alors même position. Alors diriger, c'est eux qui voilà, doivent avoir voilà un euh, mot. le mot. Voilà un mot que j'aime bien. Diriger. Est-ce que la France est bien dirigée aujourd'hui? Sincèrement. Soyons. Soyons. Est-ce qu'elle est bien dirigée, François Hollande? Vous savez, euh, c'est toujours facile quand on y est plus. Oui. Euh, vous auriez oui. posé cette question à d'autres pendant Mais que je dirigeais la déjà France. Euh, vous auriez est-ce que quand vous France étiez en fonction, Mais, oui. elle, elle doit être, en tout cas, je, je, pour ça que je ne vais pas poser de jugement mmh. bien ou mal. Elle doit être dirigée. Diriger, ça veut dire connaître le sens, savoir où on va, euh, comprendre euh, les décisions. Après, on peut être pour, on peut être contre. Mais ce qui est insupportable pour beaucoup de nos concitoyens, c'est euh, l'incertitude, le flou, l'incompréhension, l'idée que ceux qui dessinent ne savent pas la vie réelle, la vie concrète. C'est ce que l'on vit Oui, je pense qu'il y a une, une certaine forme de, de méconnaissance. J'ai pu aussi euh, mmh. être dans ce travers, même si moi-même, mmh. comme élu local, j'avais toujours un lien avec euh, les territoires et avec euh, l'humanité que je considérais être un élément de la direction. Diriger, c'est faire preuve d'autorité, de fermer mais aussi d'humanité. Et pour être humain, ce n'est pas simplement un trait de caractère, il faut connaître les autres, il faut aller vers les autres, il faut entendre les autres, même quand ils vous disent des choses qui ne vous plaisent pas. Euh, interdire les listes communautaristes aux élections municipales, vous y êtes favorable ou pas j'ai vu la, la droite, oui. euh, les républicains il y a des règles qui... dans notre oui. euh, pays, il faut les appliquer. Quand il y a une liste, euh, mm -hmm. je sais pas qu'elle peut avoir euh, des consonances religieuses, ça a existé oui. dans notre pays. Euh, oui. Vous savez, il y avait des mm -hmm. listes, euh, mm -hmm. la démocratie chrétienne, ça mm -hmm. a existé. C'est quand elles ont euh, des propos haineux ou des propos euh, communautaires mm -hmm. qui excluent. Et alors là, la loi républicaine doit s'appliquer. Euh, la marche de dimanche dernier contre l'islamophobie, euh, qu'en avez-vous pensé, franchement je pense que ce n'était pas la bonne manière de faire. Oui. Il était préférable de faire une grande marche pour euh, la République pour que euh, aucun mmh. citoyen, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa conviction, euh, que les musulmans puisque c'était de mmh. ça dont il s'agit, mmh. ils s'étaient vus agressés lorsque euh, une mosquée avait été attaquée à Bagno. Oui, la République on est tous ensemble. On n'est pas les uns à côté des autres. On n'a pas les musulmans, les juifs, les catholiques et ceux qui n'ont pas de euh, conviction religieuse euh, séparément. On manifeste ensemble, on porte ensemble les mêmes valeurs. Et on n'accepte pas qu'un juif puisse être mis en cause, on n'accepte pas qu'un musulman puisse être attaqué. C'était une provocation, cette marche, selon vous Pour certains, je pense qu'il y avait cette idée d'obliger. De, de, mmh. de, de, euh, et puis, on a vu ce qui s'était passé dans la manifestation, avec mmh. des provocations euh, délibérées. Mettre une étoile jaune, mmh. on savait, euh, crier mmh. à l'Akbar. Euh, à la veille du, du 13 novembre, même si euh, c'est une, une formule, mais on sait comment elle est utilisée par, par les terroristes. Oui, il y avait de la provocation et c'était fait euh, exprès. D'ailleurs, c'est toujours le même débat, euh, faire parler de soi, faire que finalement tout tourne autour de soi et donc euh, créer l'incident. C'est maintenant une, une stratégie de communication pour un certain nombre de groupes. J'ai une question politique. Euh, oui. Je regardais le dernier sondage IFOP pour Le Figaro paru ce matin. 68% des Français ne croient plus au clivage droite-gauche. Les Français pensent très largement que le duel du second tour de la présidentielle de 2022 opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Vous aussi Non – D'ailleurs, quand on interroge les Français, puisqu'il y a une autre oui, question, oui. est-ce que vous le souhaitez que vous ?– Regrettable, souhaitez... 72% disent non. – laissons la, la vie politique, et si j'ai fait ce livre aussi, c'est oui, pour, euh, pour en appeler euh, à ce que les, les grandes familles politiques, oui. euh, la gauche, la droite, oui. puisqu'on on, on dit ça n'existe pas, si ça existe, que les grandes familles politiques se rendent compte de leurs responsabilités. Il n'y a pas que le pouvoir qui veut jouer avec le Front National, ou le Front National qui veut s'installer, comme la seule alternative. Oui. Il faut aussi que les grandes familles politiques… Celles qui ont conduit la France pendant des décennies puissent renouveler leurs pensées, faire vous, des propositions vous, et agir. Vous pensez qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont désignés, auto-désignés en quelque sorte ça peut Ils être ont une... créé tous les deux non, les pense... conditions de non, ce nouveau. Non. Face et ça, à ça peut face... être une tentation, on se disait. Oui. ça sera toujours oui. plus facile face à Marine Le Pen oui. pour le pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, oui. que euh, face à, à une autre personnalité, parce que l'extrême droite crée toujours euh, le refus. Mais… Euh, je pense que la responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des partis politiques qui ne jouent plus leur rôle, qui n'affirment pas un certain nombre de propositions, qui cachent même leur identité, il faut s'assumer, de droite, de gauche. Vous dites que l'on à troubler le jeu. Non, moi, si je, 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 je commençais à le dire, on dirait ah il est intéressé, oui, il oui. le dit parce que oui. il veut. Non, ce que mmh. j'essaye, parce que j'ai eu cette expérience, c'est dire attention, une démocratie, ce sont des partis politiques qui débattent qui se contredisent, qui se confrontent et qui donnent une espérance aux Français. Ce qui manque le plus, j'ai dit, c'est le sens pour une action et c'est l'espérance pour tous ceux qui ont vocation à porter l'opposition. J'ai une dernière question qui concerne le film J'accuse de mmh. Roman Polanski. Vous l'avez vu Non. Vous irez le voir le film, en tant que tel, je crois, c'est une œuvre mmh. et porte sur un sujet, même si l'histoire n'a pas été totalement respectée, qui, qui, pour moi, est un sujet très important mmh. et qui mérite d'être regardé mmh. comme tel. L'antisémitisme, mmh. ce qu'à un moment, une armée euh, inconsciente de ce qu'elle peut avoir comme responsabilité, cache pour ne pas exprimer une vérité qui est cruelle. Oui, ce sont des sujets qui, qui sont très importants. Après, il y a... Euh, Est-ce que les accusations révèle... vous empêcheraient d'aller voir le film, François Non, franchement, une accusation ne peut pas empêcher d'aller voir un film. Mais euh, ne peut pas empêcher non plus que des questions soient posées. Euh, y compris euh, au réalisateur. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ce qu'avait dit Adèle Hénel, euh, mmh. interrogé sur ce sujet, et après son propre témoignage, a dit faut il faut qu'il y ait aussi, euh, sur le film, bien sûr, un regard euh, et un débat, euh, y compris sur euh, l'affaire Dreyfus, mais aussi que le réalisateur euh, soit questionné, en tout cas qu'on s'interroge sur euh, ce que sont les responsabilités à un moment d'un homme euh, dans sa vie. Merci François Hollande. Répondre à la crise démocratique, Terra Nova Fayard. François Hollande était notre invité sur RMC, BFM TV, 8h55.